Le curé et le mort. Un mort s'en allait tristement s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement enterrer ce mort au plus vite. Notre défunt était en carrosse portée, bien et dûment empaqueté, et vêtu d'une robe, hélas, qu'on nomme bière, robe d'hiver, robe d'été, que les morts ne dépouillent guère. Le pasteur était à côté, en récitant à l'ordinaire, maintes dévotes oraisons, et des psaumes et des leçons, et des versets et des réponses. « Monsieur le mort, laissez-nous faire. On vous en donnera de toutes les façons. Il ne s'agit que du salaire. » Messire Jean Chouard couvait des yeux son mort, comme si l'on eût dû lui ravir ce trésor. Et des regards semblaient lui dire « Monsieur le mort, j'aurai de vous tant en argent et tant en cire et tant en autre menu coup. » Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette du meilleur vin des environs, certaine nièce assez propette et sa chambrière paquette devait voir des cotillons. Sur cette agréable pensée, un heure sur vingt, adieu le char. Voilà messire Jean Chouard qui, du choc de son mort à la tête cassée, le paroissien en plomb entraîne son pasteur. Notre curé suit le Seigneur. Notre curé suit son Seigneur. Tous deux s'en vont de compagnie. Proprement toute notre vie. Et le curé Chouard qui suit son mort compté, et la fable du pot au lait.